Les supporters de la Jeanne d'Arc de Vichy debout pour saluer l'exploit de leur joueur préféré en atomisant une bien faible équipe de Gravelines. Les hommes de Jean-Louis Borg ont décroché pour la deuxième fois en 3 ans une qualification pour la semaine des As. Presque un miracle lorsque l'on sait que le club thermal s'est incliné à 5 reprises lors des 6 premières journées de championnat. Malgré notre début de saison poussif, on a su sur ces deux mois et demi, faire un travail extraordinaire. Parce que je crois que ce soir, on est à 7 victoires sur les 9 derniers matchs et qui nous permettent aujourd'hui tout simplement d'accéder à ce qui est le moment important de la mi-saison dans le basket français. Du 18 au 21 février prochain à Villeurbanne, le petit poussé vichysois finaliste de l'édition 2008 se frottera donc aux ogres du basket français, Le Mans, Nancy, Roanne, Cholet ou encore Lasvel, la crème de la crème qui fait déjà saliver les joueurs de la Jeanne d'Arc. Ça met du baume au cœur, ça montre qu'il y a une certaine forme de reconnaissance du monde du basket envers ce qu'on fait. Donc voilà, on va essayer de prouver une fois de plus à la semaine des As qu'on mérite d'être là et de faire notre mieux et essayer de jouer les troubles fêtes comme on l'a fait il y a 2 ans. En attendant, les Vichysois vont devoir gérer les affaires courantes. La prochaine journée de championnat est prévue samedi. La Jeanne d'Arc, 7e au classement général, se déplacera à Rouen, qui reste sur 3 succès consécutifs.